Le canal de Nantes à Brest, c'est d'abord une histoire. Celle, au XIXe siècle, d'une voie de communication commerciale et militaire, celle d'un aménagement pharaonique dont l'utilisation s'est progressivement ralentie jusqu'à s'éteindre au cours du XXe siècle, et celle aujourd'hui d'un cours d'eau qui réinvente ses usages. Le canal se réveille, le canal revit, grâce aux professionnels qui l'animent et en prennent soin. Aujourd'hui, les agents sont en train de nettoyer le bord de la rigole d'alimentation. Donc cette rigole d'alimentation est une rigole qui vient de l'étang de Vureaux, donc c'est le réservoir de Vureaux qui alimente le canal de Nantes à Brest. Le canal parcourt 95 km en Loire-Atlantique. Le département en est propriétaire et a en charge l'entretien des chemins, des berges, des écluses et donc aussi du système hydraulique d'alimentation, comme la fameuse rigole. Bah, je compare ça un petit peu à l'artère du corps humain. Si l'artère se bouche, le corps va beaucoup moins bien. Donc le canal, c'est la même chose. Donc si on n'était pas là, l'alimentation ne se ferait pas. Donc la navigation non plus. Et oui, car de mars à octobre, on navigue sur le canal. 1700 plaisanciers s'y baladent chaque année. Emmanuelle les connaît bien. Elle leur loue des bateaux à Nord-sur-Erdre. Et selon elle, ces marins d'eau douce sont attirés d'abord par le charme des paysages, mais pas que. Il y a beaucoup de gens aussi qui naviguent en mer, par exemple, qui se tournent vers le fluvial, qui ont besoin vraiment de calme et de tranquillité. C'est paisible, c'est tranquille, et je pense qu'il y a encore la navigation fluviale, de belles heures encore devant elle. Sur les 5 dernières années, la navigation a légèrement augmenté sur le canal, et pour faire encore mieux, il ne manquerait pas grand-chose. Le retour que l'on a souvent de nos clients, c'est que tout au long du canal, en fait, il manque d'endroits, de terrasses, de petites terrasses, petites épiceries où les gens puissent se poser sur le canal, au bord de l'eau, prendre un verre en terrasse. L'entreprise d'Emmanuelle est en tout cas optimiste. Elle vient de mettre en service un tout nouveau bateau, encore plus confortable. À quelques kilomètres de là, à Blain, c'est une toute autre embarcation qui quitte le port. Alors la péniche Cap-Vert, c'est une péniche, enfin le vrai terme c'est un automoteur, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Son objectif c'est de pouvoir donner l'accès à toute personne en situation de handicap. Pont dégagé, ascenseur, large table, hublot à hauteur de personnes en fauteuil, sanitaire adapté, la péniche, pardon, l'automoteur, a accueilli 1400 passagers l'an dernier, des personnes en situation de handicap qui accèdent ainsi au charme nature de la navigation fluviale. Le retour qu'on a par rapport à ça, c'est qu'on voit les sourires quand ils partent du bateau. Ils sont vraiment heureux d'être là et apaisés, quoi. Il faudrait qu'ils viennent tout un mois, carrément. Ce projet, porté par une association depuis plus de 20 ans, est unique en France. La pratique de la pêche, quant à elle, est aussi ancienne que le canal, mais si la bonne vieille canne à pêche plantée sur la berge résiste, de nouvelles techniques apparaissent. Une technique qui fait fureur actuellement, c'est la pêche en flotte tube. C'est une espèce de bouée en fait, sur laquelle le pêcheur va s'embarquer et il va se mouvoir à l'aide de palmes. Et ce qui est intéressant pour lui, et notamment par rapport au canal, c'est que ça permet une mise à l'eau facile en descendant le long du canal. Flotte tube ou pas, le week-end, on taquine la brème, les carpes, le brochet ou encore la perche sur le canal. Aujourd'hui, pour encourager la pratique de ce loisir, les pêcheurs et tout leur matériel aimeraient pouvoir accéder plus facilement aux berges du canal. On sent très bien la volonté du département de travailler sur une revalorisation écotouristique du canal et l'activité pêche entre pleinement dans ce type de logique-là, puisque c'est un loisir nature avec des personnes qui sont sensibles à l'immersion dans des sites naturels. Donc je pense que d'un point de vue touristique, il y a toute la place. Il reste maintenant à construire les outils. Les berges du canal voient passer chaque année près de 28 000 piétons et 20 000 cyclistes, dont une large part sont des vacanciers. L'ambition du département est désormais de renforcer cette attractivité et de faire du canal une véritable destination touristique. Pour recevoir tout ce monde, de nouveaux hébergements apparaissent le long du canal. Ainsi, en 2016, 2 maisons éclusières sont devenues des gîtes à l'initiative du département et 2 autres ouvertures sont en projet. Très bien. Bonjour. Bonjour. Anne-Thérèse, elle, a créé en 2016 les pensions de la Baraque sur une intuition. Nous, on est à proximité du canal de Nantes à Brest, on le voit de chez nous d'ailleurs, et c'est vrai qu'on voyait beaucoup de randonneurs, que ce soit équestres, cyclistes énormément et pédestres, et on se disait qu'il fallait trouver quelque chose pour accueillir toutes ces personnes qui partaient randonner, pour pouvoir les garder sur notre territoire et leur faire découvrir aussi notre territoire. L'originalité ici, c'est une gamme d'hébergements allant de la tente commune au petit nid douillet et insolite, et donc des tarifs adaptés à toutes les bourses. En plus, les randonneurs trouvent sur place tout le nécessaire, une cuisine, une laverie et l'aide d'Anne-Thérèse. Cette agricultrice s'épanouit dans cette activité et a déjà plein d'idées pour valoriser le canal. Vraiment, il y a plein de choses à développer sur le bord de canal, il n'est pas encore mis en valeur suffisamment et il y a un potentiel énorme. Les maisons éclusières pourraient être réhabilitées, je suis sûre qu'il y a des jeunes porteurs de projets qui pourraient faire des choses très intéressantes. Et moi, je suis vraiment optimiste, je crois dans le développement de notre canal, là, vraiment. Oui, puis moi je l'aime notre canal, donc j'ai envie de transmettre tout ça, voilà, de le faire connaître. Tout simplement parce qu'on est une belle région, voilà, on est riche de plein de choses, donc il faut aussi mettre ça en avant.